Salut à tous les SH, je suis de retour. J'étais en train d'écouter cette chanson il y a à peu près 25 minutes. Et voilà sur qui je suis tombée. Ma plus grande recherche. Alors, je vais mettre un peu de son. Voilà. Donc le chiffre, donc c'est ma plus grande recherche. Je suis sur ma version Ruby, à la grotte Granit. Et ce Nosferatu est le 23608e Pokémon rencontré dans cette grotte. Voilà. Donc je commençais un peu à désespérer, je me disais non, t'as dû louper le chemin, c'est pas possible. Et finalement, que ce soit lui ou à mon avis un des autres, ils sont ratables. Donc là, je l'ai vu arriver dans l'ombre. Et mes yeux sont restés fixés sur lui. J'étais trop contente. Il est vraiment trop beau. Son vert est très foncé. On voit strictement pas grand chose dans l'appareil photo là non plus. Ça retranscrit pas beaucoup les couleurs. Et son rose est en fait très pâle. Voilà. Donc c'est un mâle niveau 10. Voilà. Et je vais le capturer tout de suite. Donc c'est parti. Alors, sac. Donc je vais pouvoir le capturer. Je pense que la fibre lui est pas mal. Hein. Je vais pas la fibre, je vais dire qu'il manque bon. Allez, c'est parti. Yes! Trop bien. Oh, je suis trop contente. Alors, donne un surnom. Bien sûr. Alors, surnom en anglais qui colle super bien, je trouve. Yes, voilà. Allez, vidéo sur le bon. Donc ma durée de jeu elle est pas énorme parce que je sauvegardais pas en première rencontre. Voilà. Notre fois. Oh, c'est la première fois que je dépasse les 20 000. Et même les 23 000 maintenant donc. C'est un shiny, vraiment. Ça a été long à arriver. Et pourtant, j'avais eu Arco en plus de 10 000, Anorit en plus de 10 000, comme quoi, des fois. Donc là, c'est mon Anorit, qui n'a pas encore évolué. Ouah. Il est trop beau. Alors, nature, ben... Je sais pas, je vais dire timide. Ah, modeste. Yes. Trop marrant. Ouais, bon... Tant pis pour la nature. Hein. Donc je sais pas si ce Nosferatu évoluera, puisque... pas par rapport à sa nature, mais parce que j'ai une recherche de prévu sur... sur une autre version où il y a des Nosferatu... des Nosferatu plutôt. Donc... ça sera à voir. Alors on va aller... le voir. Quelqu'un qui veut bien le combattre, voilà. Alors voilà, on a commencé à... Go! Ah! Oh, il déchire de derrière, il est trop beau. Ah ouais, il est trop mignon. Ah, je peux vous dire qu'après plus de venir en grande, j'ai vraiment exulté un petit peu. Hein. Yes. Alors voilà sur qui j'aurais pu tomber, une petite blume. Ça m'aurait énormément plu. Je sais pas si je vais continuer cette recherche à Galekid, qui est un archive principal. Je sais pas si je vais continuer cette recherche tout de suite. Parce que j'avais une recherche de prévu ensuite. Sur la route samedi, je crois. Et une volte.
Donc je pense que je vais aller là-bas puisque... Et puis après je retournerai peut-être ici. Je verrai. Voilà, il a un beau petit masse-thérapie chromatique modeste. Trop cool. Voilà, mais j'ai pas grand chose à dire. Hein. Je suis très très contente, c'est mon 28e chromatique je crois. Voilà, donc plus qu'un avant mes tout. J'aimerais faire une dédicace spéciale à Sly, Piu Piu et Ben. Voilà, c'est pour vous les petits loups sur Shiny. Et ensuite, souhaiter bonne chance à Aria, Wopi, Pokéfan, Lucario, Phoenix, Legend et Dark Eddy. Et Vador School aussi. Voilà. Bon courage à tout le monde sinon. Et puis à bientôt pour un nouveau Shiny. Salut.